Salut à tous, c'est Placer, on est de retour sur Placer Gaming pour une nouvelle découverte, donc Monarchie par les studios Brain Seal, donc qui sort aujourd'hui à 16h. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai eu sur donc la clé par l'éditeur, bien sûr je le remercie chaleureusement hein, comme toujours, et je l'ai eu sur la Xbox Series X. Voilà, donc on est parti, on découvre le jeu ensemble. Voilà, donc jouer, option. On va faire jouer. Introduction, Terre des Brigands, le siège, introduction, et hop, c'est parti. Je suis un roi. Alors, c'est un jeu de stratégie. Voilà, et j'en sais pas plus. Donc, on va voir. Alors, faut que j'aille vers le drapeau. RT pour aller plus vite. Bon, déjà, le gameplay est intéressant. Les graphismes sont assez jolis. Il faut pas y aller. Attends, j'ai pas compris. Faut aller... Le cheval, ah, le cheval, il veut manger, d'accord. Le cheval, il mange dans l'herbe, ok. Bon, j'ai fait hop, toi. Alors attends. Là, faut aller s'appuyer, d'accord. Donc là, faut appuyer sur X. Et il a fait une tente. Ok. Voilà, c'est un jeu de stratégie où il faut développer des trucs, tout ça. Donc déjà, là, on est plutôt bien. Ah. Bonjour. Alors, il faut donner des pièces. Appuie sur A. J'adore ce genre de jeu où t'as pas d'instructions, mais t'as avec des images. Ça fait penser un peu à Tunic aussi, qui est sur Xbox aussi, sur PC. C'est un peu le même genre. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pensais qu'il y avait grand-chose qui allait s'afficher. Si je fais ça. Ok. X, RB. Ah, ok. Donc là, je fais un truc pour les archers. Il faut donner des pièces, d'accord. Il y a du coup un mur. C'est ça, et ça fait une armée en fait. Donc là, je pense que c'est les limites du territoire, le drapeau. Là, du coup, j'ai deux archers avec moi. Et là, ici, il faut casser un arbre. Ah, ok. Tout, je leur vais couper de l'herbe, couper du bois et après il faut aller ailleurs. Ok. Donc là il y a. Et il tire. Oh merde, j'ai vidé toutes mes pièces. Ah, je les ai récupérées. Je sais pas trop ce que j'ai fait là. J'ai pas très bien compris ce que j'ai fait. Je crois que j'ai récupérer le PNJ, je crois. Ok, on est sur un autre bâtiment. Et j'avais deux archers, j'en ai plus qu'un seul, comment c'est possible? Ouais, j'avais deux archers et deux secondes.
Ok. Donc là, c'est pour avoir un travailleur, si j'ai bien compris. C'est ça. Ok. Ah, leur vol des marchés. Les brigands, d'accord, on peut tirer au-dessus, c'est normal, c'est des archers. Les brigands, ils veulent venir détruire le feu. Ok. Donc là, en gros, si j'ai bien compris, voilà, là, on est derrière les. On est derrière le bâtiment, enfin, les parois ici. C'est assez bien foutu parce que ça mélange de Terraria et de. De l'autre côté, y a rien. Ah, succès. First night. J'ai survécu à la première nuit. Alors, du coup, le chevalier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit courir. Ah, on a des pièces. Ah oui, parce qu'en fait, je l'ai envoyé chercher des pièces. C'est soit je l'envoie chercher des pièces, soit je l'envoie chercher des gens, en fait. C'est ça. Alors, on va l'envoyer chercher des gens. C'est ça, en fait. D'accord, j'ai compris. Bon, du coup, là, on va aller par là, du coup. L'arbre. Visiblement au fond de la map. Et moi je peux pas attaquer? Du coup, faut faire quoi? Jouer. Ok, c'était vraiment l'introduction en fait. D'accord. Bon, bah écoute. On va jouer une partie normale. Alors. Si j'ai bien compris, ça commence toujours avec ça. Je suis pas sûr que j'ai tout vu, toutes les informations, hein, mais bon. Ça me semble bien ici. Il veut pas. D'accord. Effectivement, ici, il y a plus de place. Le chariot avec les premiers. Encore des pièces, comme ça au moins. Alors du coup, ce côté-là, on va faire la palissade tout de suite.
Après, il faut d'abord faire le truc d'archer, d'accord. Ah, je peux pas. Des pièces ici. Non, mais arrête de tuer les animaux, toi. Après, je peux. Pourquoi ça fonctionne pas? Ah, c'est censé marcher normalement. Ah, méchant. Je me suis déjà trompé. Ah, il fallait laisser rester appuyé, c'est vrai. Que c'est ça. J'ai trop collé mes bâtiments, du coup je suis embêté. Déjà. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors là, je n'en sais absolument rien. Je me suis fait avoir là, parce que j'ai pas pu mettre les... du coup... alors attends. Je peux pas le faire là. Je peux modifier. Non. Je peux rien faire non plus. Et je sais qu'il me manquait un archer, voilà. Ah, ici. En fait, j'ai pas fait le bâtiment de...
Ah merde! Ça aurait dû de coûter. Ok, je me suis fait avoir. Bon bah, moi je le sais. Ah, c'est vraiment du comme Terraria et compagnie quoi. C'est une fois que t'as perdu quoi. Perdre de temps, il faut tout de suite construire les bâtiments. Hop. Faut pas perdre une seule seconde. Ah, du coup, tu vas aller chercher des gens parce que comme les pièges, j'en ai suffisamment le premier jour. Comme ça, le truc de d'archer, on va le mettre là. Je pense que c'est plus urgent de faire ça. Voilà. Hop. En fait, c'est pas très compliqué, hein. C'est vraiment un jeu de stratégie en fait. Il faut que tu vois où tu mets tes. Où tu mets tes gens et tout. C'est. Voilà, moi j'ai deux constructeurs. Comme ça j'ai mes deux. Ils arrivent de côté en fait. Ah merde! Oh non! J'ai perdu mon roi. Ah putain, je pensais que il pouvait se défendre en fait. Ah ouais, c'est. Oh bah recommence. Oh, excellent! Et n'empêche que ça, moi ça m'intéresse vraiment beaucoup des jeux comme ça. C'est des jeux, moi c'est ce genre de jeu que j'adore. C'est à la fois des jeux de survie et des jeux de. C'est super intéressant. Moi ça m'intéresse vraiment fortement ce genre de jeu. Ça m'intéresse vraiment, vraiment fortement ce genre de jeu. Du coup, on va commencer sur les pièces parce que. Allez. Faut être pris pour être appris, hein, après tout. Hop. Voilà. Ici, on va faire. Hop, voilà. Et voilà, comme ça au moins la première nuit. Je sais pas ce que c'est l'espèce de truc bleu là. J'ai pas à mon avis. J'ai pas dû faire le tuto comme il fallait.
Ça, c'est la porte. Et si je sais pas si je peux peut-être le faire là, ouais. Voilà, au moins on. Nickel. Comme ça. Hop. Voilà, en plus la nuit arrive. Ouais, en fait, c'est des espèces de bâtiments. Lui, il fait des constructeurs. Lui, il fait des archers. Mais c'est con, c'est qu'il reste pas d'un côté. Ça fait penser à The Bonfire aussi. Le deuxième tuto qu'on avait fait sur la chaîne. C'est un peu le même genre aussi. Oh merde. En fait, leur but, c'est vraiment de venir détruire mon... Hop. Voilà. Du coup, la journée, ils viennent pas. Ok. Hop, et là maintenant je fais des personnes. Voilà. Hop. Comme ça là, je vais pouvoir avoir 1, 2, 3, 4. Je sais pas à quoi ça sert ça, mais au moins ça va me servir. Puis là, on va péter les deux arbres ici là. Hop. Et puis là, on va aller un petit peu à la chasse, voir ce qu'il y a par là. Là c'est où je suis déjà allé hein, pour mon avis. Donc là qu'est-ce que c'est cette fameuse mine là? Je peux pas l'utiliser. C'est bon ça. Bon là à part des petits lapins, il n'y a pas grand-chose. Ah, il y a un cheval là. Il veut pas aller par là. Ah, il veut pas se dépêcher, il est fatigué. Il y a des chevaux là ici. Un donjon là ici, je pense. Ouais, c'est ça. Écoute, je vais m'en aller parce que j'ai pas assez de. D'armée pour ça. En tout cas, c'est bien parce que quand tu rentres dans la forêt profonde, le ciel s'assombrit et tout. C'est vraiment super bien foutu. On va se dépêcher parce que la nuit arrive. On va essayer de retrouver la base. Putain, il veut plus accélérer. Parce que là, si je me perds la base, ça serait quand même con. Dépêche-toi. Putain, merde.
Oh putain! Non! Ah, t'as vraiment aucun sursis, quoi, en plus! T'as aucun sursis, quoi! Et c'est quoi, alors, du coup, ça? Chevalier d'hiver, le siège? Ah, s'il y a un autre pour voir? Ah, en fait, au début, il faut pas t'en aller, en fait. Faut pas explorer tant que t'as pas un minimum d'armée et tout, en fait. Bon, c'est bien là, ici. Les gens, tu peux pas construire en fait. J'aurais pas dû l'envoyer chercher les sous, j'aurais dû l'envoyer chercher des gens. Parce que bon, les sous, tu les as quand même relativement simplement avec. J'ai pas l'espèce de truc bleu là. Et j'ai pas les archers non plus d'ailleurs. Ah si. Si j'ai encore un truc bleu. Ouais, parce qu'en fait dans le tuto j'avais eu. Une personne en plus, c'est pour ça que je me. C'est bien, ça en fait une chacun pour construire. Donc là c'est la nuit. En fait il faut écouter le son. Voilà, c'est quand t'entends ça. Ouais, c'est ça. Oh putain! Oh putain, il m'a tué le l'archer. Bon, on va refaire celui-là du coup. Je vais pas faire le deuxième constructeur, je vais faire un deuxième archer déjà. Pour commencer, et je vais l'envoyer chercher des gens. Au moins comme ça. Voilà. Je pense que déjà, ce sera déjà plus simple. Ah, parce que ça, il arrive à. Hop, voilà, et la première nuit, il faut pas que je m'en aille. Ah putain, il veut pas faire de. Je suis trop près de la forêt.
Voilà, c'est déjà bien. On va attendre qu'ils finissent ça. Je vais prendre un deuxième archer. Mais c'est con les archers qui se mettent pas d'un côté et de l'autre. Je pense que c'est après, on va d'avis, quand tu le développes. Le joueur s'est barré. Voilà, comme ça au moins. Hop. Faire les deux arbres là ici. Après là pour jouer. Ah oui, parce que là tu vois, là il va là. Là il y va. À quelqu'un. Oh yeah. Ah ça marche, tu vois, là il y va. Bon déjà fallait bien faire ça pour commencer. Bien faire ça pour commencer. Quelqu'un qui arrive, non? Non, c'est un cerf. Voilà, jour 2. Donc là, maintenant, les barbares, ils attaquent plus. Et lui va en ramener des gens. Comme ça, je vais pouvoir faire mon deuxième ouvrier. Voilà. Hop, ah, il en ramène qu'une seule personne. Bah, tu vas aller chercher d'autres personnes. Hop, alors ça, je sais pas ce que c'est. Alors, je vais le construire. Je vois toujours pas ce que c'est. Et du coup, on va explorer un peu. Hein. Là, il y en a un qui reste à la base et l'autre il vient avec moi. D'accord, ok. Il y a quelqu'un dans la tente là. De tente là, il y a quelqu'un. Ah c'est ça, tu le payes et il vient en fait. Putain il attaque. Viens tu vas crever. Oh bah il a eu. Quoi ça? Oh, c'était un brigand. Je vais refaire un archer du coup. Comme j'ai une personne en plus. Par contre, qu'est-ce que c'est cette fameuse pierre? Ah oui, si tu leur demandes ce qu'ils doivent faire. Ah, du coup, il y en a un de chaque côté. Et là, du coup, faut up le bâtiment principal. Ok, c'est ça. Je commence à y voir clair. Il m'en manque une. Ok.
Cette nuit-là, je pense que je pourrais le up. Plus de je regarde ce qu'il faut pas non plus que je perde de l'autre côté. Voilà, journée numéro 3, donc j'ai survécu encore une journée à une nuit de plus. Voilà, et du coup là on augmente le truc. Hop, on va prendre la personne. Hop, et je vais demander qu'il aille me chercher de l'or parce que j'en ai plus beaucoup. Voilà. Ouais, le tout c'est de d'avoir la technique. Une fois que t'as la technique, après ça va. Une fois que c'est un peu comme The Bonfire. Ça fait vraiment penser à ça. Pour ceux qui n'ont pas vu l'esprit d'ailleurs, hein, l'esprit numéro 2 de la chaîne Placer Gaming. C'était une très bonne aventure aussi ça. Ah là, j'ai plein d'or là. Ah bah voilà, la tente. Vous avez augmenté votre tente. Et là, j'ai plein de bâtiments là. Alors du coup, déjà je peux améliorer ça. Hop. Là c'est quoi ça? Ok, là, je sais pas ce qu'on dirait une tour. Je suis en train de voir ce qu'ils construisent là. C'est quoi ça? Ah, c'est la plus grosse palissade. C'est une palissade plus solide. Je pense que c'est pas mal pour commencer. Hop, voilà. Et du coup, ça agrandit un peu le terrain. Ouais, je pense que c'est pas mal pour commencer la... pour la nuit déjà. En plus, on sait jamais. Ah, du coup, il est dehors, lui. Ouais, j'ai tué 15 ennemis. De l'autre côté, ça se passe comment? Ouais, ça commence à... Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est que si t'as pas beaucoup de place, donc... On parle, c'est citrouille. Je sais pas ce que c'est, cette citrouille, là. Journée numéro 4. Ça, je suppose que c'est une tour.
que c'est une tour, ça. Des gens, il me faut vraiment des gens parce que j'ai personne. J'ai trop d'or. Je pense que c'est des tours, ça. Ah, des catapultes. C'est des catapultes. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Hop, donc là va aller là-bas du coup. Ah, ça te dit juste quel jour t'es en fait, d'accord. Ça va être la nuit, donc on va retourner là-bas. Hop. Et du coup, bah, je vais en faire un autre archer. Hop. J'en aurai deux de chaque côté. Il te faut des gens aussi pour aller dans les catapultes. D'accord. Il est passé où lui? En vadrouille. J'attaque pas. Ils sont revenus, ils sont là. Ah, ils ont pas attaqué cette nuit là. Quatrième nuit, ils ont pas attaqué. Je suis arrivé à la cinquième nuit, à la cinquième journée déjà. Il y a du progrès. Alors par contre, maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut agrandir le territoire? Parce que là, le problème, c'est que... chercher des rescapés. Ouais, toujours ça, hein, toujours des gens. Parce que tant que j'ai pas... ouais, c'est ça en fait. C'est comme ça que t'as grandi les... c'est comme ça que t'as grandi les terres. Bah, du coup, celui-là, on peut pas le... tu fais plusieurs... plusieurs, entre guillemets, plusieurs bases. C'est ça, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tu fais plusieurs zones de... du coup, celui-là, faudra le up. Alors ça, du coup, c'est une espèce de ferme. Je pense que tu dois faire un fermier avec ça. Je me réalise, c'est dans la tente, il y a pas encore quelqu'un là.
Alors là, il n'y a personne. Puis là, j'ai acheté un arc, donc c'est mort. Là c'est la nuit donc ça sert à rien d'aller voir. Alors à mon avis ils ont pas attaqué la nuit d'avant, je pense que là ça va être folklore. Ouais, de toute façon les gardes rentrent dans le truc, généralement si les gardes y rentrent c'est qu'il va y avoir du grabuge. On va se mettre là parce que de l'autre côté il y a la tour et puis Ah, c'est ça que je voulais voir. Oh putain, le temps que ça recharge, c'est long. Oh. Wow, le temps de recharge, il est long. Ah, mais ils ont détruit la... Oh, il y a le barrage. Non! Je suis mort au jour 5. Bon. On a compris le principe du jeu. Ça sert à rien. Je vais pas refaire une partie parce que c'est débile. On a compris le principe du jeu. Alors, en tout cas, une chose à dire. Le jeu est très cool. Ça, c'est sûr. J'ai pas. Le jeu est très cool. Par contre, je pense que c'est un jeu où tu joues à plusieurs. Si tu joues à plusieurs, ça doit être vraiment très cool. Parce que tu peux être d'un côté comme de l'autre. Et je pense que c'est mieux de jouer à plusieurs. Mais c'est vraiment un super jeu. Ça, par contre, je remercie encore l'éditeur hein, de m'avoir donné la clé. Parce que clairement. Clairement, c'est cool. Clairement, c'est cool. J'ai voulu lancer juste pour voir ce que c'était avec la princesse. Ah bah en fait l'introduction t'as vraiment beaucoup de... Enfin voilà, c'est très cool. En tout cas, je remercie encore l'éditeur de m'avoir donné la clé. Voilà, je vous invite à acheter Monarchy. Donc il est disponible sur PC, sur PS5 et sur Xbox. Si je me trompe pas, ou sur la Switch, je ne sais plus. Enfin bref, il est disponible sur console. Ça c'est sûr. Et voilà, donc c'est un super jeu. C'est vraiment très bien. C'est sans prise de tête et enfin voilà, c'est bon. Au début, je pense que vous allez comme moi, vous allez faire au moins 3-4 fois les 3-4 fois les parties, mais voilà, c'est vraiment bien. C'est vraiment cool, franchement. Ah, c'est ça en fait, c'est ça que j'avais pas compris au début tout à l'heure, c'est qu'il t'apprend bien à jouer comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne PlayStation Gaming si ce n'est pas encore fait. Et je vous invite également à acheter ce jeu, voilà, qui est très bien. Et on se retrouve surtout très rapidement pour une nouvelle découverte d'un jeu sur la Xbox Series et aussi sur d'autres plateformes. Voilà, à très vite les amis, c'était PlayStation, salut, ciao.